Vous êtes convaincu des bienfaits de la pratique d'une activité physique, mais vous ne savez pas quel sport choisir. Alors sachez que l'aviron comporte plusieurs avantages. D'abord, c'est un sport complet qui sollicite plus de 90% de vos muscles et articulations. Mais c'est aussi un sport endurant qui développe votre système cardio-respiratoire. Mais c'est aussi un sport individuel ou collectif où l'entraide est le maître mot. Et évidemment, c'est un sport d'extérieur, sur l'eau par excellence, où le bien-être prime. Mais c'est surtout aussi un sport porté, où les efforts et les contraintes sont limitées. T'incliner un peu sur tes deux autres fesses là et impression que tu penches un peu là. Ouais, la symétrie des deux. Par contre, Martine, faut pas hésiter, t'es là, faut y aller en arrière, d'accord? Pas ça. Ah, joli bonhomme, hein. Les filles, on peut dire tu auras du cul. Les hommes, c'est attention. On m'a diagnostiqué en fait un cancer. J'ai été encadrée par des personnes qui ont été vraiment incroyables. Ils ont été accueillants, bienveillants, patients en fait. Et j'ai été mise assez rapidement sur l'eau, sur un bateau. Et je dirais que en fait moi l'aviron ça m'aide en fait surtout au-delà de ce que l'on sait. De ce que ça nous apporte sur le plan physique, ça m'aide en fait à mieux tolérer, on va dire, les effets des traitements. Et donc ça m'aide bien sûr mentalement, quoi. Quand on va bien physiquement, on va mieux, voilà. L'idée d'être dans un esprit collectif, je veux dire, on travaille avec une équipe, donc ça nous soutient en fait. Ça nous soutient dans notre activité. Le fait que ça soit aussi une activité en plein air, d'être porté en fait dans un équipage, ça soutient en fait. Ça nous aide à aller, de l'avant. L'activité physique adaptée et le sport est démontré thérapeutique dans les cancers du sein. Il y a un certain pronostic établi au départ en fonction de l'évolution. L'extension, la récidive du cancer du sein est 40% inférieure à celle qui aurait été sans activité sportive. C'est un sport à la fois individuel, complètement individuel, et à la fois complètement collectif. Voilà. Et du coup, c'est le bateau qui nous réunit, voilà, je dirais. Donc c'est plutôt pas mal. Super. Ah, bravo, là. Magnifique. Magnifique équipage. Ah oui. L'activité m'a énormément aidé, je veux dire, à cette reconstruction. Il n'y a pas que cet intérêt, quand on sort d'une maladie grave comme ça, on est en phase de réhabilitation morale, physique et sociale. Ce qui m'a changé, c'est ça, c'est que j'ose en fait, je me permets d'oser en fait, de faire des choses que j'aurais peut-être pas fait, je veux dire, avant. Et voilà.
Voilà, je crois qu'il y a cette envie de vivre plein de choses différentes. Et l'aviron, ça en fait partie, quoi, je veux dire. En tout cas, voilà, moi je suis coach sportive sur prescription médicale et je vous propose de nous rencontrer de façon à pouvoir ensemble aborder votre programme d'accompagnement de réhabilitation et de réadaptation à l'effort physique.